ma belle, désolé. Je sais ce que j'en ferais si c'était les miens. Pardon, ma belle? Je dis, je sais ce que j'en ferais. Parce que mon Jack leur aurait donné un bon coup de ceinture. Voilà ce qu'il aurait fait. Et aujourd'hui, c'est dans tous les journaux, non? On ne peut même plus gifler un enfant. Écoutez, il faut que je... Amie, c'est ça? Pardon, vous êtes une amie? Oui. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis. Eh bien, je suis une amie. Oh ben, même s'ils ont l'air très bien. Je ne les connais pas du tout. Mais ils ont l'air de gens très bien. Et bien sûr, la petite. On ne l'entend pas beaucoup. Ah oui. Leur petite fille. On ne l'entend quasi jamais. Oh, c'est une bénédiction. Ouais, alors, tiens, juste de s'endormir. Elle a avalé son goûter? Oui. Tout? Tout? Elle a bu tout son jus. Elle l'a pas mangé. Elle l'a presque tout mangé. Il faut qu'elle le mange tout. Ben elle l'a fait. Mon cul. Putain. Quoi? Elle veut son mon petit poney. Ouais. Tiens. Non, non, le rose. Elle veut le rose. Je crois que j'ai dû faire tomber ma clé ou quelque chose. Vous pouvez nous rendre un service. Ou disons que j'ai cru l'entendre partir la clé. Ce que je veux dire, c'est que peut-être c'était pas ça. Du coup, vous savez, je me suis dit, il ferait mieux de jeter un œil. Ouais. Écoutez, vous pouvez nous rendre un service. Sûr. Quoi? Vous avez perdu quelque chose? Oui. Non. Je sais pas, en fait. Je peux me servir de votre téléphone, alors? Bien sûr. Désolé. Bien sûr, vous savez que vous n'avez pas demandé, seulement on a coupé ma ligne. Mais entrez. Entrez quand même, vous prendrez bien un café, quelque chose. Écoutez, j'ai besoin de passer un coup de fil. Moi, je suis cette dernière relance. Il faut que j'appelle quelqu'un. Là, tout de suite. Ouais, ouais, là, tout de suite. Vous feriez mieux de descendre à la cabine. Ouais. Vous avez une carte? Quoi? Vous avez une carte pour le téléphone? Elle perd son temps avec cette cabine. Je vais vous prêter une carte, d'accord? J'ai dit, vous perdez votre temps avec. C'est urgent? Ouais. Eh bien, elle peut se servir du mien. N'hésitez pas à vous servir du mien. Écoutez, je... Si c'est genre un médecin qu'il vous faut, c'est ça? C'est juste ma petite fille. Je me suis juste dit... Quoi, température? Température, alors courir après, non? Les gamins, c'est pour ça qu'on n'en a jamais eu. Les vôtres se portent bien. Vous savez... Oh, c'est drôle. Je n'aime pas voir une fille sortir sans collant, pas vous? Jack disait toujours que c'est à se demander ce qu'elles ont encore oublié de mettre. Oh, c'était un vrai démon, Jack. Je vais demander si vous voulez une bière. Merci, mais il faut que je rentre. Pourquoi tu lui as pas demandé si vous voulez une bière? T'es con. Mieux vaut que je rentre. À plus tard, alors. Donc, quand ça, vous croyez? Quoi donc? Quand ça, vous croyez pouvoir le faire? Elle a rallumé sa lampe. Hmm? Elle a rallumé cette lampe. Hé hey! Éteins cette lampe. Charles! Charles, sors ça de ta bouche. Sors-le! Tout de suite! Elle n'arrête pas de faire ça. Dites, j'aimerais bien faire la connaissance de Nick. Mais recrache-le, allez! Recrache! Il est sorti avec la camionnette. Oui, mais si on pouvait se fixer une date. Eh bien, quand vous voulez. Passez quand vous voulez. Il la tuerait s'il la voyait faire ça. C'est juste que, naturellement, j'aimerais bien vous voir tous les deux ensemble. Eh bien, il sera bientôt rentré. Je vais devoir très bientôt y aller. Elle est vraiment très heureuse ici, dehors. Elle va toujours tout au fond, comme ça, elle se met à creuser. Il y a des trous partout, là-bas. Nick lui a planté ses bulbes. Elle les a tous arrachés. J'ai dit stop. Stop! C'est un vrai démon. Un jeudi, ça vous dirait? Jeudi. Je peux vous voir tous les deux un jeudi après-midi. Quand vous voulez, ouais. Jeudi en 8, hein. Bien sûr, il faudra que je demande à Nick. Eh bien, on peut prendre une option sur cette date, hein, non? Nous allons dire jeudi en 8, à moins que Nick ne soit pas libre. Et si Nick n'est pas libre, peut-être qu'un ou deux pourront passer un petit coup de fil, non? Eh bien, écoutez, il sera libre. Sors de cette putain de chambre ou tu veux que je vienne te chercher? Nick. Tu sors de cette putain de chambre et tu viens manger ce putain de gâteau que ta mère était là acheter. Tu ne vas pas souffler tes bougies, chèvre?
compte jusqu'à trois. T'as entendu ce que dit Cathy, Charles? T'as entendu ce qu'il a dit? Un. Nick. Deux. S'il te plaît, Nick. Trois. D'avoir eu envie d'un peu de compagnie, des fois. Bon, même si je peux pas dire que j'approuvais son choix. Hein. Surtout quand on sait ce qu'on sait. Il venait d'emménager avec elle. Oui. Monsieur Taylor. Difficile d'ignorer Monsieur Taylor qu'il venait d'emménager avec. Bien, ils étaient assez bruyants, je dirais. Je viens de sortir une poivron, Nick. Oui, des disputes. Mais pas que des disputes, je veux dire... Poivron, je prendrais poivron alors. Je vous demande pardon. Je pourrais sortir du jambon. Oui, c'est ça. Il y avait toujours beaucoup de bruit de sexe. Bon, et puis des disputes aussi, en tout cas. J'imagine qu'ils se disputaient, mais des fois, pour être honnête, des fois, on avait du mal. Putain, si tu me cherches de le faire, je te ferai à ma putain de façon. Et j'aurai du respect parce que c'est pas mon gosse. C'est ton putain de gosse. Et tu peux aussi le nettoyer et le faire bouffer. Putain, moi, mais c'était con! Je vous dis, parfois, j'entendais comme un espèce de... grattement. Ouais, comme un oiseau. Tu pouvais pas faire couler l'eau froide? J'ai fait couler l'eau froide. T'as dit que c'était chaud! Elle a dit que c'était tu chaud! J'ai jamais chaud, dit que c'était chaud, merde, putain! Disons que je fais couler l'eau froide, d'accord? Parce que ce n'est pas comme si je n'avais pas proposé de descendre faire la babysitter pendant une heure ou deux, si ça pouvait rendre service. Parce qu'en fait, rien ne m'aurait fait plus plaisir que de donner un bon bain chaud à ces pauvres gamines, et puis des vêtements propres. Eh bien, elle était si vague. Mais c'est ça le problème. Je veux dire, un jour, elle vous disait que la gamine avait 3 ans, et le lendemain, elle allait vous dire qu'elle en avait 4. Bon, mais d'un autre côté... J'imagine que si on voit comme ça... Ouais, on était en bon terme, ouais. Je veux dire, Carole, Madame Mitchell, elle est montée une fois. Bah, va te faire foutre, alors! Je vous demande pardon. Comment ça, une liaison? Bien, non, je veux dire, elle est montée simplement pour se servir. Je vais juste échanger 2 mots, là, avec Anna maintenant. Quoi, Sharon? Ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est qu'elle dort en ce moment. Ça nous change. Eh bien, juste un coup d'œil. Si je pouvais juste lui jeter un coup d'œil. Bien sûr. Nick. Nick, elle veut lui jeter un coup d'œil. Il est un peu lent des fois, hein, chérie. Excusez-moi, je ne... Quoi donc? Je ne... Si, si, vous pouvez la voir par la vitre. C'est ce qu'on fait, un truc, quand elle dort. Ça nous change. Et du coup, en n'entrant pas, on la dérange pas. Ah, d'accord. Vous avez un coup de main? Pardon? Vous avez un coup de main pour monter? Non. Non, merci. Elle va bien, dites. Bien. Écoutez, j'ai du mal à... Vous faites de l'ombre, là. Elle va bien? Oui, très bien. Elle a l'air très bien, à ce que j'en vois. Encore pile dessous, je parie. Oui. Elle appelle sa ferme la torture, chérie. Merci. Quand même besoin de ranger un peu là-dedans. Oui, vous
savez comment sont les gosses. Vous avez des gosses, dites. Non, je n'en ai pas. Écoutez, si je pouvais juste rentrer là un moment, je serais très discrète. Bien sûr. Sauf que c'est sans doute fermé à clé en ce moment, c'est ça le truc. Elle ferme la clé de l'intérieur, hein, Nick. Et pourquoi elle fait ça? Drôle de gosse, ouais. C'est juste qu'elle traverse des phases. Je veux dire, j'aimerais autant qu'elle le fasse pas, hein, Nick. Elle m'y fait peur quand elle fait ça, en fait. Vous devriez retirer la clé. C'est ça. On va faire ça, hein, Nick. On va lui confisquer. Mais je pense que vous devriez... Écoutez, je repasserai sans doute dans le courant de la semaine prochaine parce que, naturellement, j'aimerais voir... Sharon. Oui. Il est bien évident que j'aimerais la voir et... Eh bien, quand vous voulez, passez quand vous voulez. Inquiète peu, Nick. Eh bien, je suis contente. Je suis contente d'avoir pu faire la connaissance de... Nick. Oui. Oui, je suis contente d'avoir pu faire votre connaissance, Nick. Réciproque. Enfin, et que les choses aient l'air de... Les choses... Bien, oui. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Ouais, c'est ça. On lui a fait une petite fête, en fait, hein, chérie. Ça, c'était gentil. Rien que nous, vous savez. Gâteau, bougie. Ça, c'est gentil, bien. Cadeau. Bien. C'est très bien.